Pourquoi on est en retard? Pas d'excuses. Mais t'es trop joyeux pour un mec qui a pas d'excuses. Pas d'excuses. Wouhou. Lieu au tribunal, qu'est-ce que vous plaidez? Coupable. Pourquoi on est en retard? Oh, en plus, il y a une petite embrouille de couple là, ça sent. Ta meuf, elle fait la gueule. Ah, t'es tout seul? Attends. Il y a un délire. Mais vous allez tellement mieux ensemble tous les deux. C'est fou, non? Les filles à côté, vous êtes célibataires? Oui, eh ben on décale. Toi, tu te mets avec elle et vous devez repartir ensemble. Elle fait un peu la gueule, ta meuf, hein. Pourquoi t'es en retard? Non, mais c'est pas grave, dis-le. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de qui? T'assumes et tout? C'est beau. Il est trop souriant. Tu viens de jouir, c'est sûr, il y a un truc. Il est trop heureux. Il est trop heureux. Tout est de ma faute. Et t'es venu seul. Et comme par hasard, il y a un siège juste à côté de... Moi, je dis le destin. Ensemble depuis combien de temps, tous les deux? 7 ans. Vous sentez la routine? Vous sentez déjà le... Il y a une vraie option à gauche. T'en fais ce que tu veux. T'en fais ce que tu veux. Oh non! Les amis, vraiment, mais toi, tu vas pleurer du sang, je te jure. Pourquoi vous êtes en retard, tous les deux? Oui, mais ne me calcule pas, en plus. Tu sens que le mec qui a le micro te parle? Non, pas du tout, vraiment. Je pense qu'il parle pas français du tout, en fait. C'est incroyable. On m'a jamais aussi peu calculé de toute ma vie. Je pense que... Tu sens que je te parle quand même ou... Pourquoi? Il est en détente, vraiment. Mais alors, il n'y a pas une once de gêne. Limite, décalez-vous, s'il vous plaît. Attendez, vous voulez pas vous serrer parce qu'il a la moitié de sa fesse dehors, le pauvre? Toi, t'as un siège vide, serrez-vous un peu au premier rang. Ça va? Mesdames et messieurs, je me permets parce que je connais ce monsieur. Ça vous parle Serge Calfon ou pas? Oui. Quand Radisson, il dit « Magnéto, Serge !» C'est lui. Quand même. Je voyais que... ça commence comme ça, les hémorroïdes, Serge. Je voulais pas t'annoncer. Mais vraiment, t'es des hémorroïdes? Les amis, mes thématiques préférées, elles vont arriver dans un instant. Ne bouge pas. Toi, tu vas saigner du nez de... Tu sais pas, t'es trop mignonne, hein? Il a dit hémorroïde, c'est un peu sale. Une autre métier qu'il aurait fait. Donne-moi du matos, mademoiselle. Comment? Ingénieur chimiste. Alors que toi, tu es quoi? Alors qu'elle, elle travaille pas. Tu vois, tu gagnes déjà au change. Ingénieur chimiste, elle bosse pas. T'as déjà gagné un truc. Notre ami en retard? Oui. Vas-y. Oh, pardon! Oh, pardon! Il a attendu tellement longtemps. Pilote de ligne, tu pilotes des avions. Bah ouais. Mais par contre, ça arrive de chercher un travail. C'est peut-être le moment. Parfois, ça fonctionne. Mademoiselle, dans quoi tu bosses pas? Dans le commerce international. Est-ce que quelqu'un bosse dans ce domaine-là? Oui, vraiment. Il me voit pas, mais je vais attendre comme ça pendant 20 minutes. Ton prénom? Alexis et Kautar. Le rat de Harry Potter. C'est Croutard, c'est le rat de... C'est le rat de Harry Potter. Stupéfix! D'ailleurs, les filles, quel est le truc le plus impressionnant que vos mecs fait pour vous? Dis-nous ce qu'il a fait. Il a quitté sa ville et sa famille pour venir vivre. Sa ville et sa famille pour venir vivre avec toi. Attends, on se pose la question. Quand tu dis sa famille, c'est genre ses parents ou sa femme, ses 3 enfants? Il est venu avec moi à Cancun, c'est l'homme le plus merveilleux de la Terre. Alors, t'as quitté qui exactement? Ouh, il y avait une meuf dans l'histoire. Si toi aussi tu penses qu'il y avait une meuf dans l'histoire, tape dans tes mains. On est d'accord, hein? Si toi aussi tu penses que lui aussi sait qu'il est pas bien, tape dans tes mains. Alors, c'était quoi la ville? Dinard. Dinard. Déjà, ça donne pas envie de faire sa vie là-bas, c'est sûr que... T'habites où, mademoiselle? Au Mans. Au Mans. D'accord, donc t'as rejoint mademoiselle au Mans. T'as quitté ta vie, c'était quoi ton travail? Commerçant. Commerçant, et t'as fait quoi du coup au Mans? Commercial. C'est pas mal, on a un sacrifice de Dinard au Mans. Fais-moi rêver, c'est lui? Parce qu'il se gratte comme un toxico, c'est très gênant pour tout le monde. Il sourit faussement. Qu'est-ce qu'il raconte? Dis-nous. Combien de temps vous êtes ensemble tous les deux? 8 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi.
Il t'a fait un anniversaire surprise. Raconte cet anniversaire, décris-le pour nous. Surprise. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-nous. Tu es parti dans un restaurant pour ton anniversaire? Non, en fait, non, c'était mon anniversaire, mais c'était pour ton anniversaire, mais le jour de ton anniversaire, toi, tu savais que c'était ton anniversaire, toi? Non. Mais tu t'es dit, tu l'avais jamais fêté de toute ta vie. D'accord. On est tous très tristes pour toi d'un coup. On est tous mal à l'aise, d'accord. Et bon, donc tu l'as fêté qu'une fois dans ta vie, ton anniversaire, c'est avec lui. C'est quoi ton prénom? Kautar. Kautar. Merde. Il y a une invasion de rats dans ce théâtre, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quand ton anniversaire, Kautar? C'est quand ton anniversaire? Le 4 décembre. 4 décembre. Est-ce qu'on peut lui souhaiter pour qu'elle ait deux anniversaires dans sa vie? Joyeux anniversaire. Il est content, j'ai économisé un. Non. Allez, raconte-nous maintenant, vas-y. Donc, c'était ton anniversaire, 4 décembre. T'étais avec une copine dans un bar. Ensuite. Et en fait, je m'attendais pas à ce qu'il soit là parce que. Tu t'attendais pas à ce qu'il soit dans ce bar? Tu savais pas qu'il y allait régulièrement? Parce que quoi? Il m'avait dit qu'il allait être en voyage. Tu as dit qu'il était en voyage, d'accord. Et à un moment, en fait, il y a tous mes amis et lui qui sont tous arrivés. Vous étiez quoi? C'était combien à peu près? Une dizaine. Ça, c'est le plus beau truc de toute ta vie. On va faire un caoutarton ce soir. Alors, on va oublier la soirée. Il faut que Kautar ait du rêve. C'est bien. En tout cas, merci à toi pour avoir fait ça. C'est le maximum qu'on ait ce soir, donc. Un texto groupé à 9 personnes. Tu vois le bar là à gauche? Ouais. Tu peux venir? Ouais. C'est tout. On n'a pas mieux ce soir? Kautar? Allez, fais-moi rêver. C'est lui à côté qui a fait la surprise? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors attends, ça fait un moment que vous étiez ensemble, c'est la première fois que vous étiez... Il aime pas les trucs comme ça, là. Vas-y mon frère, pourquoi il parle? Vas-y. Ah, fous la honte là. Et c'est la première fois que tu as osé lui dire que tu me manquais, voilà, que tu lui manquais, pardon. Parce que pas dans la même ville. Voilà, parce que du coup, lui, la Poudlard, toi t'es où? T'es plus vers la prison de Harry Voldemort. D'accord. Donc... Parce que lui c'est un moldu, du coup je comprends. Et donc tu as dit tu me manques. Et le soir même, il est en bas de chez toi. Oh, lui, il gagne du temps. Ah, vite, allez, du rythme. Est-ce qu'il y a une fille qui a fait un truc joli pour annoncer à son mec qu'il allait être père? C'est un truc qu'on entend rarement dans une vie, tu vas être père. C'est, du coup, c'est lequel des deux? Alors, vous avez des enfants tous les deux? Pas encore? Et tu vas m'annoncer comment t'as annoncé que t'étais... Ah, vous n'avez pas des enfants ensemble? Mais t'as des enfants sans lui. T'es enceinte maintenant, là? Ok. Elle. Un silence, vite, un silence. On applaudit le levrette, les amis, là, Non, mais je vous le dis, vous êtes comme des... Y a pas de naissance encore. On peut être trisomique, on sait pas ce qui va se passer. On n'applaudit pas la trisomie, on est d'accord? Les gens, ils vomissent. Alors, dis-moi comment t'as annoncé. Vous étiez à la fin du repas. C'était quoi ce repas? Tu sais plus ce que vous avez mangé? Tu lui as dit, tiens ton dessert. Le truc sur lequel t'as pissé, tu lui as... Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Il a fait. Ah, la cuisine moléculaire. Je connais le délire.